Bonjour Gatorrent, je vous explique encore une fois le pourquoi du problème en ce moment avec les photos des locataires. Vous le savez, sur ces véhicules C3, Clio 4 et Twingo, nous avons des problèmes avec le boîtier connecté d'affichage sur le tableau de bord. Donc ça donne des mauvaises données, mais ça donne le bon relevé de ce qu'il y a au niveau du gazole, donc de ce qu'il y a dans le réservoir. Le problème, c'est qu'au démarrage, si par exemple mon véhicule, là comme vous pouvez le voir, celui-ci c'est pareil, j'ai le même problème avec tous mes véhicules. J'en ai sur 4 véhicules connectés, il y en a 3 que ça fait exactement le même souci. Donc, n'allez pas m'écrire encore qu'il faut que j'aille réparer ma jauge. La jauge, elle fonctionne. C'est quand dès qu'on débranche le boîtier connecté, que ça marche plus, que dès qu'on débranche le boîtier connecté, que ça revient normalement. L'affichage digital fonctionne. Donc, quand c'est le boîtier connecté qui est branché, le boîtier connecté donne des mauvais résultats à l'affichage. Donc, automatiquement, il donne 75%, il donne des mauvais chiffres. Donc, je viens encore de refaire le plein, dont ce C3 que j'ai, qui n'est pas celui de Pessac que je vous ai fait la première vidéo, mais celui qui est à l'aéroport de Bordeaux. Je vous réexplique encore le problème, c'est qu'on a beau faire le plein, ça marquera toujours 75%. Donc des fois, ça marquera 100%, ça dépendra. Là, le locataire qui va encore suivre derrière, il va marquer comme quoi la jauge y a marqué 75%, sachant que dans le réservoir, il y a 100%. Je viens de faire le plein, j'en fous des foutus partout. D'accord? Donc, je vous remontre encore une fois pour que vous compreniez. Parce que vu les résultats en mail, ce que vous me répondez, c'est la faute des propriétaires, mais jamais des locataires. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas le même kilométrage. Tiens, oh, bah non, bah c'est pas le même véhicule. Bah non, 95 494. Le véhicule indique 75%. Et encore une fois, voilà. Pourtant, on a beau faire le plein. C'est un problème que beaucoup de propriétaires ont avec leur véhicule, avec les Clio 4, avec les Twingo, avec les C3. Donc, on a tous ce même problème. Et depuis que vous avez mis ce système de photos, eh ben, ça arrange largement parce qu'ils gagnent 20 à 25 euros à chaque location. Les locataires, quand ils voient que là par exemple le locataire il va entrer dans la voiture, il va dire oh eh ben merde, alors j'ai 75% de gazole, c'est pas juste ça. Mais quand il va mettre sur l'application, quand il va regarder sur l'application que le boîtier connecté détecte bien 100%, eh ben lui qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben merde, alors ça c'est bien, c'est cool, je vais gagner 25% à la restitution du véhicule. Eh ben il marque 100%, eh ben il laisse le boîtier connecté. Mais en retour, si ça reaffiche 75%, que ça marque pas 100%, même s'il a fait le plein ou pas, ou il laisse à 75%, eh ben il dit bah ben voilà, j'ai rendu mon véhicule à 75%, je m'en bats les couilles vu qu'au départ il y avait 75%, le propriétaire il perdra 25% dans son cul. Voilà. Donc il va falloir, s'il vous plaît, Gatorrent, arrêtez avec les photos, qu'on revienne comme avant, quand tout fonctionnait très bien, avec les relevés automatiques des boîtiers connectés. En vous remerciant, en vous souhaitant une très bonne journée. Merci, avant que je pète un câble. Au revoir.